On n'a pas. Oh, ça vient d'effleurer le poteau. Le Drakkar est dans son territoire. C'est à la pointe, dans le coin de la patinoire. La pointe a envoyé le disque devant lui. Attention, Poirier s'avance. Poirier lance et cadre! Justin Poirier qui est entré du même côté que Mathias Melovski et qui a touché la cible lui aussi, mais d'une autre façon, lui, c'est avec son... Alors, le Drakkar... voit la sortie de zone efficace, passe transversale. Justin Poirier réussit à se glisser entre le défenseur, le déborde et voilà son lancer puissant sous le bloqueur du gardien de but. Oui, à la droite du gardien. Et il a touché la cible, donc Samson s'avance dans le cercle. La passe à Melovski qui entre du côté droit, tente de saufiler, c'est bien fait. Face à Cyr, la passe derrière à Raoul Boilard dans le cercle. Et le but! Justin Poirier qui a reçu cette passe à son endroit de prédilection dans le cercle. À la droite. Son deuxième du match, Justin Poirier. Il avait marqué le numéro 2 et il marque le numéro 4. Donc, c'est les chiffres pairs ce soir pour Justin Poirier. Un lancer sur réception alimenté par le défenseur. Où est-ce que c'était Boilard qui était utilisé à la pointe en travail du côté des Olympiques? Il reste 1:02 à l'infraction là, de Landry. Melovski au point d'appui à Samson. Samson dans le cercle de mise en jeu. Oliver Samson là... Une autre passe à l'embouchure. Attention, c'est bien fait à Poirier maintenant. Le tir et le but! Le voilà, le tour du chapeau de Justin Poirier et les casquettes voltigent à Landry. Et le Drakkar qui s'offre une confortable avance. C'est maintenant 6-1 Bécomo qui marque son quatrième but en deuxième période et un troisième. Il a donc la moitié des buts Poirier du Drakkar ce soir. Il a rejoint son coéquipier sur le même trio. Régler l'histoire de bâton pendant qu'on va aller tenter de menacer de l'autre côté. Un tir. Bel arrêt de la jambière. C'est un tir du cercle de mise en jeu. Bernier s'avance. Tente de déborder Boissel. Ramène le 10 devant. Le tir et le but! Un quatrième but pour Justin Poirier qui a reçu cette passe. Il en a marqué toutes les façons. Alexis Bernier qui avait fait une incursion. Huitième filet. On a entendu du haut de la tribune ici Justin Poirier appeler le disque. Et je crois que, justement, Alexis Bernier attendait. Il avait repéré son ami Justin Poirier. Et...